Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Mère nouvelle, illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui endureras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Gloire à toi, Père Saint, qui nous invite au royaume. Gloire à ton Fils, qui souffre et meurt dans notre chair. Gloire à l'Esprit, qui nous fait entrer dans sa Pâque, pour que nous mourions sa mort et vivions de sa vie. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. C'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je mets à tes points de retard. L'observer tes ordres, les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je lève l'inuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, à
alliés que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 10. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il frappe le voile sur les impies, feu et souffle. Et dans leur coupe, un vent de flamme coule à part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils font de mentir chacun à son prochain. Lèvre trompeuse engage d'un cœur double. Que le Seigneur redrange toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases, c'est là qui dise la langue et l'autre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont les paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, qui nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre
cette engeance à jamais. Bois de toutes parts, ode les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Cantique d'Isaïe 59, deuxième partie, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. Fidélité est absente, celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en notre cœur, pour les siècles des siècles, amen. Du Père Alain Quilici, dominicain, le temps du désert. Ce n'est qu'au désert, c'est-à-dire lorsque les circonstances l'y contraignent, que l'homme se rappelle ce qui est vraiment essentiel. La vie de l'homme est comme un désert, et il est lui-même comme un troupeau qui veut vivre et qui cherche une source, comme languit une biche après l'eau vive, et son Dieu l'appelle. Il l'invite à ne pas se laisser tromper par les fausses propositions pour satisfaire sa soif, car elles sont trompeuses. Il l'invite à venir boire à la vraie source. « Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Dans l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Le Sauveur lui-même va assumer cette soif. Il demande qu'on lui donne à boire, mais la femme de Samarie ne peut satisfaire sa soif. Au moment de mourir, il crie « J'ai soif », assumant jusqu'au bout la condition humaine. Mais les hommes ne peuvent lui donner que du vinaigre. La soif dont souffre Jésus, par-delà la soif physique, c'est de retrouver cette communion avec Dieu que l'homme a perdue au temps où il ne connaissait pas la soif. Et Jésus est justement venu la combler. Thank you.
saurez que je suis. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le peuple a quitté la servitude d'Égypte. Il est en marche vers la terre promise. Mais une fois passé l'enthousiasme de la libération et du miracle de la mer Rouge, la traversée du désert au quotidien n'a rien d'une sinécure. L'expérience de la faim, de la soif, l'hostilité des animaux du désert, la longue marche avec ses détours provoquent certains jours découragement et murmures. On se met à douter de l'aventure entreprise. Parmi ces jours où le peuple est désabusé se trouve l'épisode du serpent de bronze. Un épisode en quatre actes. Acte premier, le peuple est désabusé et récrimine contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert? Acte 2. Le Seigneur envoie des serpents à la morsure brûlante et mortelle. Acte 3, le peuple se repent. Nous avons péché. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Acte 4, le Seigneur demande à Moïse de dresser un serpent de bronze au sommet d'un mât pour qu'en le regardant, ceux qui ont été mordus guérissent. À bien des égards, cet épisode peut nous surprendre, voire nous révolter, si, comme le peuple du désert, nous interprétons l'attaque des serpents comme un châtiment divin. Il peut aussi nous laisser circonspects devant le remède proposé. À vrai dire, dans ce passage, frères et sœurs, on ne se préoccupe pas de savoir si oui ou non les serpents sont une punition de Dieu, ni si le remède proposé est scientifiquement efficace. Nous pouvons simplement poser que c'est ainsi que le peuple hébreu l'a compris et expérimenté. Dans ce passage, la question fondamentale est celui de la confiance en Dieu et de son envoyé. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert? Il y a ce soupçon de savoir si Dieu veut vraiment le bonheur de l'homme. Soupçon des origines sécrétées par le serpent comme un venin.
la libération d'Égypte visait-elle l'extermination dans le désert ? Dieu est-il un adversaire pour l'homme ? Pour manifester que Dieu ne demande qu'à sauver ce peuple, Moïse s'appuie sur une pratique qui existait déjà. La coutume d'adorer un dieu guérisseur représenté par un serpent de bronze enroulé autour d'un mât, une pratique magique de l'époque. Cependant, dans notre passage, un grand tournant est opéré, car cette pratique est proposée par le Seigneur lui-même. Regardez, le serpent de bronze devient ainsi un acte de foi et d'obéissance au Seigneur lui-même. Regardez, le serpent élevé de terre, en levant les yeux vers le ciel, revient à regarder vers le Seigneur lui-même. Quelques siècles plus tard, le livre de la Sagesse, méditant cet événement, l'interprétera ainsi. Quiconque se retournait était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, le Sauveur de tous. Jésus reprendra cet épisode à son compte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Au désert, il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri. De même, il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir de lui le salut. Confirme
confions tous les gouvernements, qu'ils puissent être au service de chaque personne, dans le respect de toutes les dignités. Père, ton Fils Jésus, élevé sur la croix, est devenu source de notre salut. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais qui a mis au cœur de Sainte Louise de Marillac un amour inépuisable pour tous les délaissés, Seigneur, nous te prions. Donne-nous à son exemple de reconnaître et de servir le Christ dans les pauvres, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Jésus, le fruit de ton sang est béni.
Réjouis-toi,